Sélectionné pour le loto du patrimoine, le relais va bénéficier d'un coup de projecteur et surtout d'un coup de pouce après avoir subi un coup du sort avec les crues de 2016. Vous voyez ici la hauteur d'eau. Donc, c'était à peu près 80 cm dans l'ensemble du relais. Et un peu plus loin dans cette pièce, on voit donc une cloison qui s'est effondrée et les étais qui soutiennent maintenant la poutre et le premier étage. La réhabilitation entière est estimée à 1 200 000 euros. Avec les fonds redistribués grâce au loto, l'association de sauvegarde du site espère financer au moins la première tranche des travaux, 160 000 euros. La priorité des travaux, c'est d'assurer le clos et le couvert, la géothermie pour que nous ayons un chauffage efficace et aussi la restauration du rez-de-chaussée, notamment les sols qui sont entièrement dégradés. À l'époque de l'essor du transport à cheval, le relais de Fontenay était le plus important entre Fontainebleau et la Loire. François Petit est descendant d'un maître de poste chargé de fournir des percherons frais pour le transport de personnes et de courriers. Un grand relais de poste comme celui-ci comptait 80 chevaux et permettait le passage de voitures extrêmement rapide, puisque nous sommes sur la route principale du Royaume de France, la route de Paris à Lyon par le Bourbonnais, qui deviendra plus tard la Nationale 7, et que c'était un des endroits les plus fréquentés dans le transport à cheval de cette époque. L'âge d'or du relais, fin 18e siècle, début 19e, s'achève brutalement avec l'arrivée du chemin de fer. Il est aujourd'hui à l'abandon et l'association espère le faire revivre avec l'ouverture d'un musée de la poste aux chevaux et d'un espace dédié à la culture.